Écoute, toi qui me regardes maintenant, tu sais pourquoi je suis habillé en rouge? Parce qu'en fait, je suis énervé. Pourquoi je suis énervé? Tout simplement parce que quand t'as un téléphone du type blédard comme moi, tu vois, comme ça, là, on sait même pas ce que c'est comme marque. C'est une marque, t'as Autriche, ça se trouve, t'as la Chine, t'as n'importe quoi. Bah, tu te dis merde, ça fait plaisir. En fait, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, une fois, je commençais à envoyer des messages et tout, tu vois, des choses comme ça. Et là, le petit enfoiré, il fait quoi? Il change mes phrases. Attendez, je vais vous dire tout ça tout de suite parce que j'ai déjà envoyé des messages. En fait, ça fait pas mal la coupe. Mais je suis énervé quand même aujourd'hui. On a dit que je suis énervé. Ah sahbi, je suis vraiment énervé. En fait, un jour, j'avais envoyé un message. Gaz. Tu vois, normal. Le truc, il me gaz. J'étais déjà énervé, tu vois, quand j'ai envoyé le message. J'avais mis quoi? Ça me gaz d'ouf. Tu vois, normal. C'est qu'un petit mot, ça veut dire que je suis énervé déjà. Quand j'envoie le message, je sais pas ce que j'avais ce jour-là. Et là, mon correcteur, il fait quoi? Ça me casse de ouf. Ok. On va aller chercher le mot case pour bien vous expliquer ce que ça veut dire. Case, définition. Une case, un type de construction éphémère en bois, en pierre, de... En gros, c'est quelque chose qu'on bâtit avec nos mains. Est-ce que gaz est ce qu'on bâtit avec les mains? Est-ce que c'est compatible? Je ne crois pas. Donc, la prochaine fois, petit correcteur de ta race la chauve, respecte-moi. Parce que moi, je te parle tranquille, et toi, tu me gazes. Tu me cases, comme tu dis, enfoiré de ta race. Bref, je vous explique, c'est pas terminé, il m'a fait encore d'autres choses. Je tenais à faire ce petit coup de chétan. Ouais, chez nous, c'est pas un coup de gueule ou je sais pas quoi, c'est un coup de chétan parce qu'on a bien rouge et le truc, il me gaze. T'as compris la blague? Ça fait plaisir. Après, c'est ton problème. Juste après, j'avais envoyé quoi? J'avais envoyé il bug. Et là, il s'est passé quoi? Il brug. Mais ouais, je calme-toi. Mais ouais, je calme-toi. Et surtout, tu vois, une fois, je parle avec quelqu'un, oui, de type fleur, tu vois ce que je veux dire. Et là, il s'est passé quoi? Je voulais voir, tu vois, le Instagram. Oui, je fais pas de pub, placement de produits. Hi, hi. Non, je fais pas. Je suis mort. J'envoyais des petits messages tranquilles avec des gens au calme, fleurs, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, les fleurs, de toute façon, vous savez ce que c'est. Vous savez, c'est du type rouge comme moi. Ouais, j'envoyais un message. Et là, je me suis dit, peut-être il y a un système emoji. C'est quoi un emoji? C'est une émoticône qui a été créée sur les Android ou les iPhone, même si les Android, c'est une catégorie du typhus, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, en fait, il y avait un cœur, tu vois. Je me suis dit, peut-être si je clique sur ça, j'aurai un emoji. Mais sur Instagram, ce petit enfoiré de sa race qui me regarde comme un petit chétan, il a envoyé un cœur. Et je me suis retrouvé comme un con. Vu que la personne, je la connaissais pas. Et je venais juste de lui envoyer un petit message sympa. Tranquille. Minou. Non, je déconne. Donc, j'appelle les inventeurs des applications et des enfoirés de correcteurs de me réparer et de m'aider dans cette quête. Et surtout, le jour d'après, j'ai envoyé quoi? J'ai envoyé... Tu te crois que tu te doutais de sa gueule? Tu te crois que tu te doutais de sa gueule? Tu te crois que tu te doutais de sa gueule? Tu te crois que tu te foutais de sa gueule, sa petite enfoirée de téléphone? Je rage quitte. C'est Akimbo. Si je l'ai jeté et il est revenu sur moi. Tu vois, je vais envoyer un message direct. Est-ce que vous êtes en hors forfait? Je suis dans le